Il ne crache pas de feu, ne vole pas et ne sort pas d'un livre de contes, mais c'est bel et bien un dragon. Ce grand lézard est né en captivité aux eaux de Barcelone il y a 6 ans. Dans la nature, son espèce vit principalement sur des petites îles d'Indonésie. Il en reste seulement quelques milliers. C'est un animal que l'évolution a oublié, dans la mesure où il a des tas de caractères dinosauresques. Hein. C'est des animaux qu'on a du mal à classer. C'est un varan, il a une langue de serpent, il a des grosses griffes, presque comme des ours. Il a des dents très très tranchantes. Et c'est un animal qui adore la chaleur. Donc on doit toujours l'élever pas trop en dessous des 30 degrés. Arrivé mi-juillet, ce mâle de 2 mètres d'envergure a rapidement adopté l'enclos conçu pour lui. Une serre de 120 mètres carrés reliée à un couloir où soigneurs et reptiles peuvent interagir. Allez, viens mon bézo. On est en train de l'entraîner, c'est-à-dire qu'on lui apprend à mettre son nez sur la cible, à la toucher. Et dès qu'il la touche, il a une récompense. Et en fait, ça va nous simplifier la vie, comme avec beaucoup d'animaux un petit peu dangereux comme ça, de pouvoir facilement le faire rentrer dans une caisse, le mettre dans des positions qui nous arrangent pour pouvoir mieux le soigner. C'est bien, mon pépère. Et travailler en toute sécurité. Les petites proies visent juste à le stimuler. Le vrai repas du dragon a lieu 1 à 2 fois par mois. Il dévore un poulet ou un mouton sans rien laisser. Pour son alimentation, on va dire naturelle, on va donner des choses plus conséquentes, mais entières, qui contiennent bien sûr les organes, les os, les poils, les sabots, en fonction de ce qu'on lui donne. Seul représentant de son espèce en France, le dragon est encore un ado. Il devrait grandir 1 mètre et prendre 40 kilos d'ici 3 à 4 ans.